Des corps qui s'enlacent, qui s'attirent. Le cri des méduses est l'une des 10 représentations à l'affiche du Festival des Brigittines. Inspiré du tableau de Géricault, la scénographie de la pièce est totalement repensée pour la célèbre salle bruxelloise. Cette année, un thème, la spirale du songe. On laisse aux spectateurs la possibilité d'avoir une libre interprétation. Et je crois que surtout la finale, dans ce lieu-ci si magique, j'ai vraiment l'impression qu'on part dans ce thème-là. Donc, je trouvais ça très particulier qu'ils appellent le thème « Spirale du songe ». Je trouve que ça va très, très bien avec la démarche de la compagnie. Des mises en scène surprenantes qui dérangent parfois. D'autres qui emportent le public avec elles, comme la pièce de Pierre Ponviane dans laquelle des corps se percutent, s'enlacent et se séparent. Ce sont les œuvres de suggestion, les œuvres de fantasme, les œuvres d'imagination qui peuvent nous toucher le plus profondément et ou nous surprendre tout au moins, et où nous pouvons nous imaginer à la fois nous-mêmes sur scène et tout à fait ailleurs dans notre esprit, comme si la scène était un écran sur lequel nous pouvions projeter nos idées, nos fantasmes, ce qu'on n'ose peut-être pas penser. Jusqu'au 3 septembre, le Festival des Brigittines propose 9 représentations inédites en Belgique qui interrogeront vos songes les plus profonds.